Alors, on est de retour sur Skate 3, PlayStation 3, suite du Let's Play. Là, je rigole. Non, ça sera une petite vidéo détente à la cool, sans prise de tête. Je suis réglo, hein, j'ai pas rejoué depuis l'épisode 3 de la trilogie online. La trilogie de vidéo, hein, c'est pour ceux qui s'en rappellent. Je jouais contre d'autres joueurs en mode en ligne. On va essayer d'assurer un minimum, hein. Je me rappelle limite plus des touches, hein, je vous le dis franchement, le dernier jeu de skate c'était Tony Hawk 5. Donc, je pense avoir pas mal perdu, bien que j'ai jamais eu un niveau exceptionnel, hein. Ceux qui ont suivi les 14 vidéos du Let's Play s'en souviendront. Encore que là, je m'en sors pas si mal que ça. Ouais, en fait, ouais, j'arrive plus à faire de figure en fait, je sais plus comment on fait. Alors, on va dire que c'est une vidéo hommage pour tous ceux qui lâche pas le morceau, hein. Même après 3 ans, ils sont là. Quand est-ce que tu refais une vidéo sur Skate 3? Oui, parce que je vous imagine comme ça, vous derrière votre écran, là, votre petite voix, là, comme ça, un petit peu énervé, un petit peu vénère. Quand est-ce que tu relances Skate? Quand est-ce que tu joues, putain? Quand est-ce que je joue? Mais j'ai fini le jeu, les gars. Le Let's Play était vraiment terminé. J'ai fait toutes les missions. Fini Skate 3, il faut oublier, c'est loin, c'est terminé, c'est très loin. Oh là là, je le vois même plus le jeu. Non, ça reste un putain de bon jeu. Évidemment, moi ça me dérange pas d'y jouer, mais déjà j'ai perdu la main. C'est un jeu que tu peux pas lâcher comme ça, il faut vraiment y jouer régulièrement. Le mode en ligne existe toujours, j'ai quand même vérifié avant de lancer la vidéo. Je suis même tombé sur un mec, hein. J'aurais pu faire une partie rapidos. Mais bon, c'est. Tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est derrière moi. Même si je songe à quelque chose. Mais je vais pas vous en dire plus parce que vous allez me casser les couilles derrière. Il se pourrait que, mais probablement pas. Je me fous de votre gueule, mais pas tant que ça en fait. Voilà, c'est. Voilà, j'ai pas envie d'en parler. On verra, il faudrait que je reprenne un petit peu la main, essayer de refaire quelques figures, me rappeler les touches surtout. Et on verra après s'il peut se passer quelque chose ou pas. C'est comme une soirée avec une gonzesse, premier rendez-vous, tu sais pas s'il va se passer quelque chose à la fin, bah là c'est pareil. Ça c'est, la vidéo là c'est le rencard, est-ce qu'il y aura une troisième mi-temps, j'en sais rien. Je ne sais pas, on verra. On en était, il fait beau, le temps est propice au skate. À l'extérieur, pas en jeu vidéo. Non, j'arrête de me foutre de votre gueule. On verra, je sais que vous me le demandez régulièrement. À chaque fois que j'allume ma PlayStation, j'ai toujours un mec qui me dit « On joue à Skate 3 ?» Point d'interrogation. « On joue ?» Session Skate 3 ?»« On se fait une vidéo Skate 3 » Qu'est-ce qui se passe? Mais... Je sais pas quoi vous dire au bout d'un moment. Après, vous doutez bien, si j'avais vraiment envie d'y jouer, je le ferais. C'est que je suis pas spécialement motivé. Mais là, ouais, j'ai la manette en main, ça va, je suis pas dégoûté de le faire. On va faire une vidéo très courte, hein, je vous le dis tout de suite. Mais peut-être pas assez pour recommencer à faire une série de vidéos, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas envie... Le Let's Play de Skate 2, je vous l'ai déjà dit un million de fois, je suis bloqué. J'arrive pas à continuer, j'y arrive pas. Les missions qui restent à faire, j'y arrive pas, c'est tout, c'est comme ça. Après il reste quoi? Ils ne font pas de Skate 3, de Skate 4, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, ils sont pas motivés, je sais pas, Electronic Arts n'a pas envie de mettre du pognon là-dedans. Après il reste quoi? Skate 1, le premier, je l'ai même pas, graphiquement j'ai regardé des vidéos, c'est vraiment moche. Puis voilà, est-ce que j'ai vraiment la motivation de me relancer là-dedans? Limite je préférais me relancer dans un Tony Hawk, un vrai Tony Hawk qui est intéressant. Hein. Dernièrement, quelqu'un m'avait proposé un Tony Hawk Underground, le deuxième. Le deuxième, je l'ai pas fait, en tout cas, je m'en rappelle pas. Le premier, je l'ai fait et de mémoire, il était pas facile. Donc, me relancer vraiment dans un jeu de skate compliqué, bof. Franchement, bof, ça va finir comme Skate 5. Je vais arrêter parce que ça va me saouler. C'est pas intéressant parce que c'est comme ça. Je sais même pas quoi. J'ai même pas de vraie raison à vous donner, manque d'envie, manque d'ambition, manque de motivation. Même si je suis sûr qu'on pourrait s'éclater après des let's play assez courts sans finir le jeu, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Vous me le dites dans les commentaires. Comme Skate 5 par exemple, j'ai fait les... J'ai même pas fait la moitié du jeu, je me rappelle plus, mais... J'ai quand même sorti 5 ou 6 épisodes. Encore une fois, je me rappelle plus. Voire même 6 ou 7, non? Franchement, je sais plus.
5 épisodes pour Skate 2, c'est sûr. Est-ce que ça peut vous intéresser que je fasse des courts let's play de jeux de skate sans vraiment les finir? Ça, à la rigueur, ça pourrait m'intéresser. Et si vraiment je suis vraiment pris dans le jeu, je pourrais éventuellement faire plus. Faire la moitié, faire les trois quarts, et je pense que passer les trois quarts, je vais me dire, autant le finir. C'est parti, bah je le termine. Ça m'intéresse. Après, faut qu'on se mette d'accord sur un jeu. Quel jeu de skate pourrait vous intéresser? On m'a déjà proposé Tony Hawk Underground 2, comme je viens de vous le dire. À l'époque, j'avais fait aussi un sondage Skate 2 ou bien... un autre jeu sur PlayStation 3, un jeu de skate. Je ne sais même plus le nom du jeu, hein, c'est pour vous dire. Ça, et j'en... Non, je l'avais pas acheté. Si, je l'avais acheté en plus. Attendez, j'essaie de regarder mes jeux de loin, là. Je suis un petit peu trop loin, ça va être dur de voir. Je sais plus, c'était quelque chose skateboarding. Le nom d'un mec qui fait aussi des trucs sur la neige, je sais plus. Tony Hawk Pro Skater 1 ou 2, ou Tony Hawk Pro Skater HD, le remake. Il y a beaucoup de jeux skate, c'est pas les jeux de skate qui manquent, ou peut-être un truc plus déjanté, il y avait un jeu de skate des Simpsons aussi. Voilà, proposez-moi toujours, si ça vous intéresse que je ne termine pas le jeu, pourquoi pas? Moi c'est souvent ça qui me dérange, c'est « Oh putain, ils vont s'attendre, il faut que je sorte la suite du let's play ». Et ça me blase en fait, ça me donne pas envie de continuer. Ça me fatigue, voilà, c'est ça le bon mot, ça m'épuise psychologiquement, mentalement. Ça a l'air con comme ça, mais c'est les jeux comme ça, ils sont épuisants, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc, désolé, hein, j'avais dit que je sortirais sans doute un test, mais au final, je me suis dit, allez, on va se faire la vidéo de skate. J'avais envie, donc j'en ai profité. Donc voilà, on va se faire, allez, encore 2 minutes, 2-3 minutes, et puis on va s'arrêter là. J'ai repris mon perso, hein, je pense que vous l'aurez reconnu hein, pour les habitués du let's play, avec son fameux t-shirt vert. J'arrive plus à sauter. Alors, on va quand même essayer, hein. Il faut que j'en saute au moins une. Je ne parle pas de gonzesse, hein, je vous vois venir. Oh, allez, c'est ça le talent, putain, c'est ça le talent, les gars. Je trouve que ça. Bon, je fais aucune figure compliquée, mais je trouve que ça va, je me latte pas tant la gueule que ça encore. Franchement, je m'attendais à pire. Attendez. Mais putain, taille patron le Spina, il est toujours là, il est toujours là, putain. Vous allez me dire, on se fait une session vidéo online, oui et non, je sais jamais quand je suis dispo. Je sais pas quand ma connexion va fonctionner correctement ou pas, je vous rappelle, j'ai une connexion de merde. Attendez, on va se déplacer. J'ai une connexion de merde, hein. Rien que pour envoyer une vidéo de 20 minutes, j'en ai pour quasiment 24 heures. Donc jouer en online, ça dépend de votre connexion à vous aussi. Si on a une connexion de merde tous les deux, ça va être une catastrophe. Mais bon, ça aussi, ça à vous de voir. On n'arrivera pas à s'organiser. Je suis désolé, mais je pense pas. Ça va de la merde, je vais vous dire oui. Je vais encore vous mettre un râteau, je vais pas venir. Ça va m'énerver moi-même, ça va vous énerver. Donc j'ai pas envie de prévoir quelque chose. Voilà, on va se faire une petite course pour finir. Et voilà, je vous en dis pas plus, peut-être qu'on se reverra sur Skate 3 ou pas. ça fait la vidéo de pute, hein. En fait, je vous dis rien, quoi. Je vous dis peut-être, peut-être pas. Mais voilà, Skate 1, démarrer un let's play, ça me tente pas plus que ça. Ouais, est-ce que c'est vraiment un bon jeu? Est-ce qu'il est aussi dur que le 2? Parce que le 2 était quand même beaucoup plus dur que le 3, hein. Il n'y avait vraiment pas photo, c'était une horreur. Rien que la vidéo, je me souviens que j'avais galéré. Je peux pas me relancer dans un truc comme ça, mentalement je vais pas tenir et... En plus faut faire gaffe aux musicaux du jeu, faut faire gaffe aux droits d'auteur, c'est super relou. C'est franchement super relou. Là je vous mets des musiques libres, hein. C'est pas les musiques du jeu, hein. C'est des musiques que je télécharge sur internet. Et puis voilà, sans prise de tête et puis basta. Allez, on va essayer de gagner au moins ce petit truc. Je suis deuxième, c'est pas bon. Donc je me rappelle qu'il fallait faire des figures pour aller plus vite, ça j'ai pas oublié. Mais ouais, moi j'ai plein de souvenirs qui me reviennent dès que je fais ça, quoi. Ça me rappelle les moments de galère. Des fois je passais des soirées entières pour faire un quart d'épisode, quoi. C'était la folie, quoi. C'était un truc de fou. Voilà, je suis premier. C'est qui le patron? C'est toujours moi. C'est tout, c'est comme ça. Et je vous dis à la prochaine, les amis. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, ça vous aura fait plaisir au moins de revoir le jeu. Et voilà, c'est un jeu que j'oublierai pas, de toute façon ça fait partie de ma chaîne YouTube.
Et ça restera le let's play phare de la chaîne, je sais que ça sera jamais battu. Voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Je vous fais des gros bisous les enfants. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Pour c'est la vidéo 199, donc un test c'est sûr et certain. La prochaine vidéo sera un test. Voilà, portez-vous bien. Ciao tout le monde.